Bonjour à toutes et tous. Ramon Villa, Fédération Sud Santé Sociaux de France, membre du collectif Notre Santé en Danger, membre aussi du collectif Tour de France pour la Santé et du réseau européen Notre Santé n'est pas à vendre. Alors je vais vous surprendre et puis les plus âgés vont reconnaître. Hein. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Vous vous souvenez de ce slogan? Hein? C'était celui de Margaret Thatcher dans les années 80. Je le redis, Margaret Thatcher. À ce moment-là, le libéralisme, les néolibéraux ont essayé de nous vendre que hors de la main invisible du marché, il n'y avait point de salut et qu'il fallait privatiser. Depuis cette date, les attaques contre les services publics n'ont cessé, que ce soit du côté de la santé, de l'éducation, du travail social, de notre planète même, ils veulent la privatiser. Ces dernières années, et notamment avec la crise Covid, on s'est rendu compte que ce système était à bout de souffle. Il était à bout de souffle, non pas parce qu'ils sont incompétents, non pas parce qu'ils ont mal géré les affaires, mais parce qu'ils n'ont rien à faire de notre santé, ils n'ont rien à faire de notre qualité de vie, ils n'ont rien à faire de la santé de nos anciens, de nos enfants. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est que la santé soit une variable d'ajustement pour leurs finances. Hein ? Ce qu'ils veulent, c'est flatter le portefeuille financier des grandes entreprises. Donc, au sein du réseau européen, nous dénonçons cette situation. Nous refusons que notre santé soit une marchandise. Alors oui, moi je reprends ce slogan, il n'y a pas d'alternative. Le premier déterminant de santé, c'est nous-mêmes. C'est notre résignation, c'est notre fatalisme. Et nous devons lutter contre notre résignation, notre fatalisme. Nous devons être toutes ensemble, toutes et tous, dans la résistance, résister à ce monde pourri qu'il cherche à nous imposer. Nous devons défendre la solidarité. Nous devons défendre des services publics qui prennent en charge toutes et tous, suivant leurs besoins, et qui puissent participer suivant leur position. Donc, on ne lâchera rien, c'est un slogan qu'on reprend souvent, on ne lâchera rien. Résistance !